Que pensez-vous des marchés de Noël de Metz ? Alors nous venons juste d'arriver aujourd'hui, mais il était tellement bien l'année dernière qu'on a ramené la petite famille cette année, nouveau pour regarder, parce que bon, c'est sympathique, chaleureux, le bon petit verre de vin chaud avec modération, les marrons chauds, et on ira peut-être visiter le petit palais de glace là qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Merci. Et vous, des marchés de Noël ? Ben, c'est bien sympathique, c'est convivial. La même chose, j'adore. Et celui de Metz, vous avez déjà vu quoi ? Pardon ? Pour celui de Metz, vous avez déjà vu lesquels marchés de Noël sur lesquelles places ? Salut à tous, bienvenue pour ce premier reportage sur le marché de Noël de Metz avec comme point d'orgue la féerie de glace que vous pourrez retrouver jusqu'au 17 janvier sur la place de la République à Metz. Voici maintenant votre reportage. À tout de suite, moi je vais me réchauffer et faire un petit peu froid ici. Nous commençons notre visite des marchés de Noël par la gare où vous pourrez admirer le grand sapin illuminé, les quelques chalets et la tente des métiers d'art. Ensuite, dirigeons-nous vers la place de la République pour découvrir la féerie de glace, faire un tour sur la patinoire. Vos enfants pourront aller dans le manège, le sapin magique, et vous pourrez flâner dans les allées des stands du marché de Noël.
Ensuite, arrêtons-nous place Saint-Jacques, où vos enfants pourront faire un petit tour de carrousel. Vous pourrez découvrir la boutique de Moselle Passion, où des artisans vous feront découvrir leur métier. Et derrière, vous pourrez flâner dans les allées, boire un bon petit vin chaud et vous réchauffer au coin du feu. Faisons quelques pas pour nous diriger devant la cathédrale où vous pourrez découvrir la grande roue qui a déménagé avec quelques chalets autour. Ensuite, allons derrière la cathédrale pour découvrir le marché de Noël gourmand qui est ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 17h à 23h et le vendredi et samedi de 11h à minuit où vous pourrez déguster de bons escargots et d'autres petites choses qui vous feront mettre l'eau à la bouche. Et pour finir notre périple, rendez-vous place Saint-Louis où vous pourrez découvrir une des nouveautés de cette année, la pyramide de Noël, où vous pourrez acheter des décorations de Noël et ensuite, en sortant, aller faire un tour dans le carrousel à deux étages et ensuite flâner dans les allées pour manger des churros, des escargots et des huîtres.
pensez-vous des marchés de Noël de Metz? Super ambiance, c'est sympa, vraiment. C'est la première fois que j'arrive ici à la France pour, comment dire, pour voir cette ambiance, et je trouve que c'est génial. Voilà. Ah, ah, ben, super, bon marché de Noël, super. C'est le quatrième qu'on fait, on vient de terminer par la Grande Roue. On profite, il pleut pas, pour une fois. Donc voilà, très, très joli, des belles décorations, une belle ambiance. Donc on aime toujours venir tous les ans, donc premier week-end de marché de Noël, on le fait tout de suite. Voilà. Et toi? C'est comment le marché de Noël, ma puce? C'est bien. C'est bien? Ouais, c'est bien.